papa! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop peur, il y a une araignée dans ma chambre! Oh, mais c'est rien, c'est qu'une araignée. Retourne dans ta chambre, prends une claquette et fouette-la! Mais j'ai tourné la tête et elle a disparu, je sais plus où elle est! Quoi? Elle est peut-être dans ma chambre! Tu sais pas qu'il faut jamais lâcher du regard une araignée! Putain! Réveille-toi! Il y a une araignée, elle est dans la maison! On sait pas où elle est! Elle est peut-être rentrée dans tes oreilles ou même peut-être dans ton nez! Réveille, je me prépare pour aller à l'école primaire, wesh! J'ai oublié mon sac d'Hawaii! Sinon, tu prévois de changer de sac quand? Jamais, même au lycée, je le prends le sac. Y'a toute l'école qui se fiche de nous parce que t'as un sac de Wings. Nous, on a un sac 15 et serré, maman. Il me fiche. Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien, ma chérie, tout va très très bien. Maman, pourquoi la voiture est dans cet état? Mais rien, c'est juste que j'ai tapé un peu le mur, mais ça va. Tu dis pas à papa, hein, d'accord? Parce que voilà quoi. Ok, maman. Coucou les filles, je suis rentrée. Papa, papa! Maman, on a cassé ta voiture, elle est rentrée dans le mur. Je déteste les enfants. Quand c'est du poisson! Maman, je peux prendre du ketchup? Quand c'est de la viande! Maman, je peux prendre du ketchup? Quand c'est des pâtes! Maman, je peux prendre du ketchup? Quand c'est des patates! Maman, je peux prendre du ketchup? Maman, je peux prendre du ketchup? Maman, je peux prendre du ketchup? 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 Maman, je peux prendre du ketchup? Prends petit déj, je joue ketchup! Camille! Quoi? Bienvenue à la maison, elle est arrivée! Ah coucou ma chérie, ça fait super longtemps, tu m'as trop manqué. Est-ce que t'as un cadeau? Pardon? Est-ce que tu m'as acheté un cadeau? Maman, je suis rassasiée, j'ai plus faim. Est-ce que je peux aller jouer dans l'air de jeu, s'il te plaît? Non, tu finis ton assiette. C'est bon maman, je peux y aller, s'il te plaît. Bon, vas-y. Oh merci maman. Salut, on va jouer à cache-cache, tu veux venir? Moi, pas français. Moi, italienne. Moi, italien, italiano. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je crois qu'elle parle italien. Attends, donne ton téléphone, on va sur Google Traduction. Ouais, tu as raison, tiens. Coronavirus, coronavirus, ou Doriprane. On y va. J'arrive. Donc, tu nous as menti. Oh, laissez-moi tranquille. T'as pas honte de mentir comme ça? Oh. Arrête de papoter. Je vais le dire à ma mère, en plus, elle est là en plus. Je vais le dire. Oui. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ma prof de maths au supermarché. T'es sérieuse? Je dois me cacher, il faut pas qu'elle me voie. Je te rappelle. Bonjour Sophia. S'il vous plaît, vous êtes qui? Bonjour, je suis la prof de maths de Sophia. Vous êtes sa mère, je suppose. Oui, je suis sa mère. Il y aura peut-être un contrôle hein, le lundi, donc révise bien. T'as révisé? Oui. Parce qu'elle a toujours des mauvaises notes, hein. 0 par-ci, 20 par-là. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Moi, ma fille, elle me dit que c'est la première de sa classe en mathématiques. Quoi, mais elle vous a menti? Et? Maman, pardon. Tais-toi. Et puis va ramener le coca. Je ne paye pas. Maman, s'il te plaît, c'est mon coca. Je t'ai dit d'aller redéposer le coca. Je vais pas payer. Dès qu'on arrive à la maison, tu me donnes ton téléphone. Tu vas travailler. Oh! Je peux avoir une feuille, STP Robert. Ok, merci. Je peux avoir une feuille. D'accord. Merci. Et c'est pour ça que ma mère a mangé mes chaussettes. Tu sais, il est où Louis en fait? 1 euro, une copie simple. Moi. T'as vu le rat, il est pas bête, hein. Économie sur une plaquette. Aria, au tableau. Pourquoi toujours moi? C'est juste. J'ai enfin compris les VPH. C'est quoi cette sensation bizarre d'un coup? En fait, c'est magique. Hein, c'est quoi ce son? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Rabat ta caba, réveille-toi. Ben wesh, je vois ma mère pour lui piquer son fric car je suis pauvre. Hein. Ma maman d'amour que j'aime trop. Hein. Oui, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent car je dois acheter un livre pour l'école en fait? Oui, tiens. Oh merci! Ah, moi le sac Louis Vuitton, je vais être enfin respecté à l'école. Maman? Ah, coucou ma chérie, quel hasard, dis donc. Tu vas me dire que ton livre coûte 1000 euros? Ben oui, parce que c'est un très gros livre. Un gros gros livre. C'est pour ça que ça coûte. Sarah? Oui? Mais elle est malade, wesh. Quoi? Pourquoi t'es habillée en noir et blanc, wesh? Ah, ça? Ben. C'est une longue histoire, vous pouvez pas.
Vous pouvez pas comprendre. Wesh. Sarah? Oui? Tu faisais quoi, là? Ben, je faisais rien. T'as pas honte? Ta bouche, on dirait marteau, là. Ah, vraiment? Wesh. Sarah, tu peux tout me dire. Pourquoi t'es habillée comme ça? Ok, comme t'es ma meilleure amie, je vais te dire pourquoi je suis habillée en noir et blanc. Mais tu promets que tu répètes à personne, s'il te plaît. C'est un secret. D'accord. Merci. En gros, depuis quelques temps, je commence à faire des visions. Waouh! T'es sérieuse? Oui, mais ne le répète à personne, s'il te plaît. D'accord. C'est vraiment un secret. Regardez, tout le monde, elle a des visions. Quoi? Mais tu m'avais promis que t'allais pas dire. Mais wesh, elle est malade. Arrête-moi arrête ça, wesh. Arrête de m'embêter. Y'a pas, wesh. J'ai vu l'avenir. Mais arrête. Ah, Doliprane. Doliprane. Maeva? Yes? Mais elle est malade ou quoi? Pourquoi tu parles anglais, wesh? I don't know. T'es bizarre. Mais j'ai fait quoi? C'est bon, wesh. Parle en français, wesh. Good morning. How are you guys? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Mais répondez. You guys are crazy. I cannot believe that. This is so unbelievable. Oh my god. Et toi là? Yeah. Arrête-moi ça, wesh. Mais j'ai fait quoi? Pourquoi tu parles beaucoup anglais? Mais je sais pas, comme ça. Franchement, tu saoules. Anyway, you guys are so annoying as fuck. Comment on dit bleu en anglais? Moi! Green! Yeah! Bouge de là! Comment j'ai pu me tromper à ça? Sarah? Oui? C'est quoi le truc sur ta main là? J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Pourquoi t'as un chiffre 8 sur ta main, wesh? Ah, ce chiffre là? Ben oui! Vous l'avez vu? On l'a tous vu. Désolé, je peux pas en parler, c'est. Wesh! C'est privé, désolé. Sarah? Oui? Wesh! Qu'est-ce qu'il y a? Ton nez. Oh, pourquoi tu saignes du nez comme ça? Désolé, je peux pas en parler. Hé! Je suis ta mère, amie, tu peux tout me dire. S'il te plaît. Bon, d'accord. Tu répètes à personne. Oui, t'inquiète. En gros, j'ai des super pouvoirs. Sérieux? Oui, j'ai des super pouvoirs. Quoi? Ça veut dire que quand je les utilise, ben, mon nez, il saigne, en fait. Waouh. Sarah? Oui? Alors, et tes pouvoirs? Quoi qui vous a dit ça? C'est ta pote Monique. On va l'appeler Super Sarah. Wesh. Complètement bonjour celle-là. Ne me pensez pas à vous faire du mal.